bonjour, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter un Tool Assisted Speedrun réalisé par Guy Brush sur le jeu MacKids, en présence de Secret Spy, bien évidemment. Salut Secret Spy. Bonjour. Alors, consultant scarpalacien, on va dire, et fidèle ami à moi. On va se commenter aujourd'hui donc en présence d'un Québécois. C'est pas la première fois que j'invite un Québécois dans une vidéo, mais bon. Mais non, je suis pas une espèce en voie d'extinction encore. Presque quand même. Donc une run réalisée par Guy Brush en 26 quelques. Et avec pas beaucoup de records, je crois qu'il y en a à peine 4000, 5000, un truc comme ça. Donc un jeu donc réalisé en tout l'assisted speedrun. Et où on le voit, il y a des trucs assez particuliers là. D'ailleurs, t'as vu l'ennemi en forme de fleur là? Oui, je l'ai vu. Il y a des ennemis qui sont vraiment particuliers. Et c'est un jeu un peu délire, un peu dans cet univers-là, qui reprend en fait les personnages de McDonald's, hein, vous l'aurez compris. Sauf les monstres, c'est ça qui est un peu dommage. Bah, les monstres, évidemment, bon, c'est un peu compliqué. Bah, quoi que le castor, peut-être que c'était un des personnages du truc. Et là, on le voit, il est passé au-dessus d'un ennemi, carrément, alors que bon, il y avait un fil qui pendait. Il est quand même passé au-dessus, quoi. Alors, ces monstres-là, là, l'espèce de... La technique de courir sur l'eau. Voilà, la courir. Plusieurs fois pendant la run. C'est ça. Dès que les frames sont disponibles pour ressauter à partir sur l'eau, il en profite pour ressauter. Parce qu'en fait, dans l'eau, vous avez une physique qui est beaucoup plus compliquée à gérer et vous enfoncez au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous sautez pas, vous coulez. Sauf que s'ils sautent à temps, c'est comme si c'était comme une surface dure. C'est ça. Alors ça, ce saut-là, il est hyper compliqué à réaliser. Ça se fait bien, hein, mais il est hyper compliqué à réaliser comme ça du premier coup. Franchement, chapeau quoi, chapeau bas. Alors, il va réaliser le jeu à 100%, il va éviter de faire des glitch abuse, hein, ce qu'on appelle les gros glitch, hein, tout simplement. D'ailleurs, il n'y en a pas, des glitch hein, dans cette run-là. Ce qu'on pourrait appeler des glitch, c'est le fait de jeter son bloc et de le récupérer à l'instant même. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas vraiment un glitch. Mais c'est pas un glitch, non. C'est ça. Et donc là, on le voit, il y a des M comme ça qui se baladent et on se demande ce que c'est finalement. Tu sais ce que c'est toi les M comme ça, hein, parce que bon. Ouais, c'est comme les pièces dans Mario. Rendu à 100, on a un niveau bonus à la fin de chaque niveau. Donc c'est pour ça qu'il évite de les prendre, parce que sinon il perdrait du temps à faire les niveaux bonus. C'est ça exactement, ça l'emmerde. Et donc là il est obligé d'attendre parce que regardez, c'est normal, tout le monde sait que les enfants, eux, ils peuvent aller sur les feuilles comme ça qui tombent, mais on le voit, il a pris un pixel mais. Du tronc d'arbre pour réussir à remonter dessus et pour aller choper la M card. Donc c'est le but du jeu, hein. C'est de récupérer des M cards. Voilà, de ramasser toutes les cartes McDonald's pour pouvoir ensuite les redonner en fait finalement. Par exemple là pour les premières c'est à Ronald McDonald, mais les autres c'est pour. Voilà, tu vois, celle-là elle vient de Hamburg Lars Hide Out. Donc c'est une des cartes. Fin, ouais. Voilà, une des cartes du boss de fin, du niveau de fin. Et donc le but étant de récupérer toutes les cartes, en sachant qu'il y a des cartes secrètes également à récupérer. Et tout ça en le faisant donc en optimisant son parcours. Ouais, parce que justement, il y a des cartes qu'on peut obtenir à plusieurs endroits, c'est ça? C'est ça, il y a des cartes qu'on peut en fait obtenir. Par exemple, là, on l'a vu hein, dans le monde d'avant, là, on a récupéré une carte pour le dernier niveau. Et là, on a récupéré deux cartes. Et donc, regardez, vous allez le voir, You found a card from Ronald McDonald et Professor's Workshop. Donc, c'est des niveaux qui sont plus loin. Hein. Donc là, il a déjà fait tous les niveaux, ça fait à peine 4 minutes, même pas. Tout fini. Ça va vraiment rapide. Ça va vraiment vite. Mais ce qui est bien, c'est que les niveaux sont courts, mais il faut bien chercher quand même pour... C'était assez compliqué parce qu'il y avait quand même des petites énigmes, genre le fait de tourner par rapport à un niveau pour changer sa gravité, c'est un truc, c'est pas spécialement évident à savoir. Hein, Ouais, c'est vrai. Puis en plus, il y a le fait juste de trouver où sont les M, c'est pas toujours évident. C'est ça, il y a des M qui sont vraiment cachés. Vous allez le voir dans ce niveau, dans ce monde-là. Il y a un niveau dans lequel le M est complètement caché dans les nuages. Ah oui, il faut passer complètement à travers. Ouais, faut passer un dans jour des. De savoir. C'est ça, faut vraiment passer dans les passages secrets du jeu là. Et donc c'est une physique un peu particulière, un peu à la Mario, mais un peu plus compliquée que Mario. C'est-à-dire que, enfin, plus maniable, mais un peu bizarre. C'est entre, on va appeler, je sais pas si vous connaissez Cool Spot. D'ailleurs, c'est un jeu qui est sous la licence de Virgin Interactive. Vous avez pu voir l'avion avec Virgin Interactive qui s'est affiché.
qui font toujours des jeux pour de la pub. Voilà, qui font toujours des jeux pour de la pub, et notamment pour Resident Evil 1, dans le premier du nom. Ça m'avait toujours fait, ça m'avait fait bizarre moi quand j'avais vu ça. Je me suis dit, tiens. Ouais, je savais pas non plus. Et donc là, il a fait des sauts de fou furieux là. Il est passé entre les murs, entre les blocs là. C'est vraiment bien. Mais vraiment bien fait là. Puis ça, c'est un niveau assez particulier. C'est comme dans Mario. Hein, c'est un monde où vous voyez les personnages glissent et donc vous devez prévoir vos arrêts. Quand vous vous arrêtez, vous devez prévoir vos stops parce que là. Ça va vite, hein. Et puis là. Mais ce que tu dis qui est différent avec Mario, c'est que lui, en plein milieu d'un saut, il peut. Voilà. Ça peut diriger dans les airs. C'est ça, exactement. Quand on essaie de se diriger dans Mario, il a du mal à se diriger. C'est-à-dire que vous essayez de revenir en arrière et vous pouvez pas vous tomber dans le trou parce que vous avez hésité à sauter trop loin et du coup, vous l'avez dans le baba, on va dire. Mais là, tu parles du Mario 1, quand dans le Mario 3, c'est ouais. Bien, dans le Mario 3, c'est déjà mieux, mais c'est vrai que le Mario 1, c'est impossible. Donc là on le voit, il a bien évité la première pièce et là il a récupéré le M. La carte qu'il faut pas manquer. C'est ça, la carte qu'il faut pas manquer et il y en a une autre qu'il faut pas manquer qui se trouve juste derrière l'espèce de je sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est comme le drapeau dans Mario. Voilà, c'est une espèce de. Vous savez, dans les. Ouais, voilà, c'est ce niveau-là où le M est complètement caché. Ah oui, c'est ça. C'est une espèce de. Je sais pas, d'arrivée, quoi. Comme si on était des marathoniens, quoi, et qu'on arrivait à la fin du truc, quoi. Donc regardez, le M caché comme ça, c'est. Comment voulez-vous le savoir? Franchement, sans plaisanter, quoi. Et donc, il va récupérer donc toutes les cartes. Et donc. Finir finalement tous les niveaux, donc le maximum de niveaux, parce que si vous finissez le boss de fin, et bah, le jeu s'arrête en fait. Le jeu, c'est comme une vraie fin d'un vrai jeu. C'est-à-dire que vous devez redémarrer votre console pour rejouer au jeu. Et donc, si tu fais pas le monde secret avant, tu recommences à t'en. C'est ça, et c'est un peu débile, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de sauvegarde, hein. C'est un jeu sur Nintendo Entertainment System, sorti en 1991-92. J'ai plus la date exacte, je crois que c'est 91, je crois que c'est 4-5 ans après Mario, donc En 92, c'est pas mal sur la fin, non, si je me souviens. Ouais, c'est pas mal sur la fin de la NES, oui, parce que il y avait déjà des jeux Super Nintendo qui commençaient à sortir, ouais, notamment Seiken 1, il me semble. Et donc là, le saut qu'il vient de faire, là. Ouais, c'est vrai que tu me disais qu'il était super difficile. Il est hyper difficile parce que là, ça se joue au pixel près, à la vitesse prête, et en plus derrière, il arrive quand même à récupérer la carte juste derrière, quoi. C'est juste monstrueux, monstrueux. Ouais. Tu disais Seiken 1, mais Seiken 1, il est pas sorti sur Game Boy. Non, pardon, Secret of Mana, excusez-moi, autant pour moi. Seiken 1, oui, c'est Dragon Quest, un truc comme ça, je crois, le nom. Secret of Mana est sorti en 92, je crois, non? Ouais, quelque chose dans le genre. 92, 93, 93. Ouais, parce que je crois que c'est Seiken Densetsu 3 qui est sorti en 95, mais c'est le petit frère, quoi, de Seiken 2, quoi. Mais bon, parlons peu et parlons bien du jeu, donc là on voit de nouveaux ennemis sont apparus, là, une espèce de. Enfin, les castors on les avait déjà vus, mais une espèce de toupies comme ça. Les toupies ou les. Je sais pas trop c'est quoi. Et ces espèces de plateformes là, ces espèces de ponts qui se détruisent. Simplement, et là le saut sur le truc, c'était vraiment bien bien calculé. Puis on voit aussi à la fin de chaque niveau qu'il y a un deuxième joueur, puis. Tu me disais que la physique était différente. Oui, la physique. Dépendait avec qui on prenait. Exactement, c'est-à-dire que il y a le personnage blanc, celui qui est blanc. Je commence déjà à faire du racial. C'est malheureux, mais McDonald's nous impose ce genre de choses. Mais non, mais il nous ouvrait au monde quand on était petit, je veux dire. Il nous apprenait le monde. Ça, c'est un ennemi qui est trop chiant parce que c'est un ennemi dès qu'il te voit, il te fonce dessus. C'est l'espèce de cerf là, comme ça. Là. C'est assez particulier, mais bon, oui, c'est vrai que ce personnage-là, en fait, est assez polyvalent. Il saute bien, il court bien, etc. Mais le noir, donc le personnage africain, on va dire, saute légèrement plus haut, mais est plus difficile à maîtriser dans les airs et à une course de la même. Après, il court pareil, parce que sinon, s'il courait plus vite, il aurait pris l'autre. Hein, mais les courses des deux personnages est la même, sauf que il y en a un qui saute mieux, saute plus haut, mais qui a un peu plus de mal à se diriger dans les airs. C'est un peu la situation. On pourrait le comparer à Luigi. À Luigi et Mario, exactement. C'est comme Luigi et Mario. Alors là, il y avait un truc trop cheap, trop abusé. T'as vu les deux vies qu'il y avait au départ? Bah, non, en fait, il n'y en a pas besoin. Non, en fait, c'est que c'est vachement fort. Parce qu'en fait, si tu prends les deux vies, tu vas forcément devoir mourir. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais un sacrifice d'une vie pour en gagner une en plus, quoi. Donc là, en même temps, tu peux en avoir un infini, si tu meurs, tu recommences à un niveau, c'est ça. Exactement, et donc là, on l'a vu, il s'est vraiment amusé. Ce que je vous disais, c'est le seul glitch, entre guillemets, du jeu, c'est même pas un glitch, il faut avoir du skill, quoi. Faut être très précis, quoi.
Et donc ça, c'est la carte à ne pas louper. Tu la rates, tu fais « Non, putain, il y avait une M carte derrière. » Tu la vois et « Oh non. » C'est exactement ça. Ça m'avait déjà fait le coup, en plus. Parce que tu peux pas sauter, t'as pas assez d'élan pour sauter de devant le drapeau pour arriver derrière. Donc. Enfin, le drapeau. Une espèce d'arrivée de marathon, quoi. Et donc là, on voit, il y a quand même beaucoup de niveaux qui se ressemblent un peu dans le terme du design, parce que tu vois les armes, ces espèces de troncs d'armes, ils étaient déjà présents dans le premier monde. Ouais, dans les premiers mondes. Voilà, et on les retrouve ici, on les retrouve dans pas mal de niveaux, mais bon, c'est vrai que c'est un peu une reproche que je ferais, le manque d'originalité au niveau des ennemis. Ouais, puis... alors là, il a fait un saut monstrueux. Ouais. Le saut en revenant en arrière, ce que je disais, ça c'est impossible dans Mario, ça. C'est ce genre de, c'est typiquement le genre de truc, tu peux pas le faire dans Mario. Et là, il a fait... Normalement, je crois qu'il y a, je sais pas, genre un trampoline qui te permet d'aller tout là-haut, mais qui se trouve en bas, et lui, il fait « Oh, de la merde, c'est long et tout, vas-y, je passe comme ça, moi. » Donc là, ça, c'était par contre un des niveaux assez casse-couilles parce que... Enfin, un monde assez casse-couilles parce que il fallait récupérer les 4 cartes pour qu'il te laisse passer au niveau 5 et 6 pour pouvoir trouver la dernière de ces cartes. Ouais, c'est ça, dans la fin, il y a... Ok, ouais. Pour aller de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Alors lui, normalement, c'est très intéressant de prendre la barque, hein. Parce que lui, il s'en fout, hein. Il peut sauter à toutes les frames disponibles. Mais il faut dire que les piranhas, c'est un coup et en bas. Ouais, c'est ça, un coup et tu meurs sur le gros piranha et ça se... Là, il lance le bloc, il réatterrit dessus pile poil au moment où il se bloque, quoi, et puis c'est vraiment beau, quoi. Franchement, il y a des... Pour avoir joué au jeu et pour l'avoir fini, même pas à 100%, parce qu'il est hyper dur à finir à 100%. Ouais, ça paraît pas comme ça, mais... Ça paraît vraiment pas, mais il est hyper dur à faire. Et là, le taser est vraiment très puissant, parce que là, il connaît par cœur, là, il arrive pile poil dessus, ça faut le savoir. Hein, parce que c'est le seul moyen de trouver la M-card. C'est comme ça. Hein. D'ailleurs, je me demande ce qui se passe si... Enfin non, on avait déjà vu... Je crois que si tu tombes et que tu meurs, même après avoir touché le drapeau, ça fait rien. Ça fait rien, non, c'est vrai. Ça fait rien, il me semble qu'il va mourir dans un des niveaux, d'ailleurs, et... Ça va le faire comme ça, ça va le faire pareil. Donc là, je crois qu'il va récupérer une carte secrète. Parce que c'est plus rapide. Alors là, regarde. Donc là, il va lancer la barque comme ça. Et c'est assez particulier parce que c'est vraiment bien fait. On voit les espèces de chutes d'eau comme ça. Mm-hmm. Et ces chutes d'eau, elles sont vraiment, vraiment marrantes parce que dans l'absolu, elles ressemblent beaucoup à celles qu'on retrouve dans Doki Doki Panic. Donc le Super Mario Bros. 2 européen. Où il y a également des espèces de rondins de bois qui en tombent. Et par contre là ça va beaucoup plus vite, hein, on le voit, hein, tout simplement ça. Ouais, les animations sont rapides. Voilà, les animations sont rapides, c'est presque mal aux yeux. Et c'est bien parce que c'est une idée de gameplay d'avoir la barre qui sert sur l'eau tout en bas et sur les chutes d'eau pour se déplacer, c'est vraiment intéressant, quoi. Et c'est là qu'il faut vraiment regarder, choper un peu tous les objets, essayer un peu tout ce qu'on peut. Parce que c'est pas comme dans Mario, il suffit pas de sauter sur les ennemis pour les tuer, on peut pas, justement, on peut pas les tuer en leur sautant dessus, faut choper des blocs et leur envoyer dessus. Hein, on l'a vu, il a fait quelques fois déjà dans la run. Et donc là, ça, ce passage là, il est horrible, je m'en souviens, il fallait aller choper une barque qui était tout au bout normalement pour aller à ce niveau là. Et lui, non, il fait de la merde. Il saute sur l'eau. C'est ça. Lui, en fait, mais je crois qu'on a retrouvé Jésus. Ah, il s'est caché là. Hey, il marche sur l'eau. Donc là, vous voyez, ce genre de trampoline, c'est assez particulier. Il faut absolument avoir un bloc pour être assez lourd. C'est pour ça. Que ça nous frappe plus. Et on a vu le M-card qui a tourné là comme ça, on fait what? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que pendant que le scrolling s'affichait, enfin, essayer de suivre le personnage, il a récupéré la M-card à ce moment-là. Et du coup, on l'a même pas vu. Parce que la carte, il faut pas seulement y toucher, il faut vraiment la prendre. C'est ça, faut vraiment la prendre, faut s'abaisser, enfin, faut être dessus et faire B, quoi. Tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment marrant, ça rappelle vraiment Super Mario Bros 2, cette idée des sables, comme ça, du sable. Du sable, oui, ouais. Ça rappelle vraiment Mario, parce que dans l'absolu, on doit casser les blocs comme ça également pour pouvoir se déplacer, regardez. Et là, il y a une espèce de petite énigme, regardez. Vous dites pourquoi il fait pas tout d'un coup vers le bas, enfin, c'est assez bizarre. C'est parce qu'en fait, il va vouloir changer de gravité. Il va vouloir changer de gravité. Alors là, il se prend un petit take damage pour sauver. C'est la trouver. Voilà, pour sauver du temps. Et là, c'est très difficile à trouver. Pour choper cette M-card, il faut le faire comme ça. Et donc, vous voyez, hein, s'il le fait pas correctement, bah, il est un peu dans la panade, on va dire. Parce que, dans l'absolu, il faut vraiment qu'il puisse remonter. Parce que s'il remonte pas, il se retrouve au niveau de la vie. Et le seul moyen qu'il a d'en finir avec lui, c'est la mort. Tout simplement, de se suicider dans le vide. Je crois qu'il y avait une sorte de manipulation pour se suicider dans le jeu.
Je crois que je crois que si tu faisais start et puis qu'ensuite dans le start tu faisais select, tu mourrais. c'est quand tu te retrouves bloqué dans ce genre de situation, si tu veux, il n'y a pas de temps. Il y a pas de temps dans le jeu. Donc dans ce genre de situation, la seule façon de mourir, c'est de faire start et select. Et tu vois ton personnage qui fait tout. Alors là, on voit, il y a des. C'est les fausses fins ici. Voilà, il y a les fausses fins. Et en gros, c'est assez chiant, ça vous fait juste perdre du temps en fait. Hein, et de la vie, parce que la vie se régénère pas entre les niveaux. Et du coup, si vous finissez une fausse fin et que vous avez perdu un cœur, et vous recommencez avec un cœur de moins, et là, c'est encore plus chiant quoi. Alors ça, cette espèce de rebond, il fait du ping-pong le mec. Ping-pong. Exactement. Il a bien calculé son coup d'ailleurs. Et ça, là, le fait d'avoir réinitialisé son déplacement avec le fait de choper la M-card pour pas choper l'ennemi sur la gueule, c'est bien vu. Oui, ça arrête son momentum. Ouais, ça arrête sa chute en dans les airs, et puis il se redéplace. C'est assez. Mais il va faire une espèce de. Il y a une fois qu'il va l'utiliser encore mieux que ça, je pense, dans le niveau de la lave ou quelque chose comme ça. Exactement, dans le niveau de la lave, il va le faire vraiment d'une façon majestueuse. Et vous allez le voir, la puissance du taser qui se sert donc majestueusement bien du Frame Advance, donc qui lui permet d'avancer frame par frame, voilà, pour faire pile les mouvements qu'il veut. Exactement, il avance frame par frame pour vraiment calculer son truc. Et ça, je me souviens de ce passage-là, il était horrible. C'est ce qui était supposé avoir une barque pour ça aussi. Ouais, il faut une barque, ouais. Ok. Il faut une barque pour choper cette carte et elle est horrible. C'est-à-dire que faut aller tout au bout, faut aller choper la barque, faut éviter les monstres parce que les monstres sortent de l'eau et te tapent. Du coup, tu perds ta vie à une vitesse folle parce que tu les vois pas venir quoi. Et faut se déplacer lentement parce que comme tu te déplaces, tu sais pas trop où ils se retrouvent. Du coup, même si c'est scripté, si tu veux, c'est assez compliqué. Ouais, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est un monde qui me rappelle le bateau volant dans Mario. Le bateau, j'avais exactement la même chose. Bateau dans Mario. C'est exactement ça. Ça me rappelle vraiment le bateau de Super Mario Bros 3 notamment. Et donc là vous voyez, c'est assez fort, si vous passez par en dessous vous pouvez pas passer parce que le personnage ne peut pas se baisser dans les airs, c'est à dire qu'en gros c'est pas comme dans Super Mario World vous pouvez vous baisser en sautant quoi, dans le saut vous pouvez vous baisser, là vous pouvez pas le faire, c'est à dire que dans l'absolu vous pouvez vous baisser, vous pouvez faire des espèces de glissades en vous baissant, mais c'est très court, hein, j'ai envie de dire c'est très court. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sautez, ça réinitialise votre saut, c'est-à-dire que vous vous retrouvez en mode debout, quoi. Tout simplement. Déjà, qui a déjà... Enfin, c'est réaliste, hein. Qui a vu quelqu'un sauter sans être debout? Hein? Essayez chez vous. Évitez d'avoir une table ou un truc qui peut vous faire mal à côté, hein. Très malheureux. On n'est pas responsable. We are not responsible of your responsibility. Ouais, ok, ça veut rien dire. Alors, là, c'est un niveau qui est vraiment marrant parce qu'il fait vraiment intervenir la gravité. Et regardez, c'est ici, je crois. Voilà. Ah, c'est ici, ouais. Voilà, exactement. Là, il a activé la vie. Il en avait pas besoin du tout, mais il s'est servi de la vie pour réinitialiser le déplacement, quoi. Surtout qu'avec la gravité, ça se voit beaucoup plus, quoi. Ouais, avec l'intégrité. Parce que là, du coup, dans l'histoire, je crois qu'on est sur la Lune. Hein. Je crois qu'on est sur la Lune dans l'histoire. Et vous voyez, c'est... Il y a une raison pourquoi sont là, ou... Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai vu, il y a des espèces de dessins un peu psychédéliques dans le truc. Là, on se retrouve dans du gruyère, on sait pas trop ce que... Ouais, c'est ça. Bah, c'est parce que je pense que... Mais sur ça, oui, les enfants, on raconte que la Lune est faite de fromage. Moi, ce que je dis, c'est que... On m'a toujours dit que la NES, c'était du gruyère. Moi je comprends pourquoi. À cause de tous les glitches qu'on peut y faire dedans. Alors là il a récupéré un point de vie. Un deuxième point de vie. En fait c'est le seul moyen de... Je sais pas s'il a manipulé la chance pour ça. Certains ennemis donnent beaucoup plus facilement les cœurs que d'autres. Mais là oui il a pu manipuler la chance. Hein. Bien évidemment il y a un petit peu de manipulation de la chance. Hein, des ennemis etc. Dans la majeure partie. Même si les ennemis en général ils vont avoir une seule façon de se comporter, c'est-à-dire ils vont aller de droite à gauche jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle et ils vont revenir sur leur pas quoi. Alors ça c'est hyper dur ça. Les plateformes. Surtout le saut du bas, faut pas sauter trop haut. Ouais c'est ça. Exactement, il y a que deux sauts dans ce jeu là. Il y a le petit saut et le grand saut. C'est-à-dire que si vous restez un peu à longtemps appuyé sur le bouton de saut, vous allez quand même sauter très haut. Et le saut avec sa gravité c'est juste horrible quoi, parce que la gravité vous fait sauter quasiment une fois et demie plus haut je crois, un truc comme ça, enfin Regardez la hauteur à laquelle il saute là maintenant et vous comparerez tout à l'heure avec quand on sera dans un niveau normal et classique. Et ça c'est un niveau le plus compliqué du jeu. Pour l'avoir refait une centaine de fois pour savoir par cœur. Ouais. Au moins parce que là il y a des trucs cachés de partout, vous tombez dans un truc, dans un... C'est juste trop horrible quoi.
c'était juste trop horrible. Pourquoi il a frappé l'ennemi, ça lui sauvait du temps ou... Je pense que ouais, c'est parce qu'en fait il avait besoin de réinitialiser son saut pour pouvoir se déplacer. Sinon il allait ressauter sur les trampolines et ça lui faisait perdre du temps. Ouais. Du coup il a préféré le prendre, le balancer contre l'ennemi et se barrer. Hein. Parce qu'en fait quand tu tapes l'ennemi, du coup il est considéré comme pas touchable par toi, par ta hitbox, et du coup ça lui a permis de le traverser un petit peu. Donc plutôt sympathique quoi. Donc là on arrive déjà au Hamburglar's, je crois que c'est le Hamburglar's niveau, ouais, Ideaout. La cachette de Hamburglar's, voilà. Et donc le niveau de fin, hein, le dernier niveau. Et donc ça c'est bloc un peu particulier. Ah là il a tué un ennemi dans les... on l'a même pas vu. Ouais, c'est vrai qu'il s'amuse avec ses blocs par la quête. Ouais. Alors ces blocs là au départ ils vont très lentement et ensuite ils accélèrent. Ensuite ils accélèrent et là ça devient assez assez compliqué de les suivre. C'est-à-dire que là, vous... techniquement si vous devez, parce que vous devez esquiver les ennemis, hein, là on le voit pas parce que normalement on doit monter au-dessus, hein, histoire de ne pas se casser la tête. Mais lui il va... Est-ce que ça protège d'avoir un bloc sur la tête? Ah pas du tout, ça protège absolument pas. C'est juste que lui il avait envie de s'amuser. Alors par contre ce que j'ai trouvé un peu naze, c'est que là les cœurs quand tu regardes dans le niveau, tu fais pas la différence entre les cœurs et le fond. Du coup tu sais pas combien t'as de cœurs. Ah ça... pour vrai j'avais même pas remarqué. Regarde, tu vas voir dans ce niveau là, je pense que ça va bien se voir aussi. Regarde. Ah mais t'as quand même un peu le canto. Ah mais c'est vrai, on dirait que c'est en vide. Hein. Voilà, c'est juste qu'il y a juste le petit truc blanc qui te dit qu'il y a un... De rappeler, ouais. Ouais voilà, c'est tout. Alors ça, ce saut là il est monstrueux. Ouais, il fait des sauts de fou. Ah oui non mais ça c'est dingue. Et là on voit il garde bien son bloc parce qu'il en aura besoin. Hein. Ouais ici. Voilà, ici pourquoi? Pour réinitialiser son saut, pour se faire taper, pouvoir sauter dessus et récupérer la carte M. Ça c'est vraiment chaud aussi. Hein. C'est la deuxième utilisation je crois de la réinitialisation du fait de choper un ennemi ou de se prendre un ennemi. Hein, quoi. C'est le seul truc. Hein. C'est vraiment hyper dur à faire. C'est... Normalement il faut faire tout le niveau vers le haut, enfin faut prendre les espèces de... Je pense qu'il y avait quand même une plateforme qui se déplaçait. Ouais, c'est ça, normalement il y a une plateforme qui se déplace, mais lui il n'en a pas besoin, il fait non, de la merde. Et donc là, normalement, donc ça c'est hyper chaud à faire. Et il y a une carte qui se trouve en bas là ici. Normalement, pour la choper, en fait, il faut choper un espèce de bloc, tu sais, les blocs rouges là. Ouais. Pour, ouais, les... Faire tout le tour, hein, bah. Pour les mettre sur la lave, etc. Et comme ça on les chope. Et c'est hyper dur à faire. Et là, on l'a vu, il est passé en dessous des blocs qu'il a ramené de l'autre côté du niveau là, en faisant un. Magnifique, hop là je glisse en dessous, hop. C'était bien, ouais. Bien fait parce que c'est on hyper dur. C'est sa technique principale, on dirait de se taper ses sauts en prenant les trucs. Hein. Ouais, c'est peut-être sa technique principale, ouais. Et vraiment, il y a du gros skill. Et donc là, on a vu, il a débloqué le dernier des derniers niveaux. Mais il va pas battre la boss. Voilà, il va pas le faire tout de suite, pourquoi? Parce qu'il doit déjà reparler à ce personnage-là pour faire des raccourcis. You found all six cards, machin, maintenant tu peux revenir plus facilement à d'anciens niveaux. Et donc on va le voir, ce niveau-là en fait était connecté au tout premier niveau. Et donc là il va reparler je crois à Ronald McDonald, hein, qui est très bien fait d'ailleurs dans les petites cartes là-haut, là en haut à droite. Là. Ouais c'est vrai. Et donc là il reparle à Ronald McDonald, qui est obligé de s'asseoir, enfin de s'accroupir tel un pédophile pour parler à l'enfant. Non, tu veux un chocolat? Ça serait pas un genre. Mon genre à moi? Ah non mais oh. Je ne te permets pas. Donc là encore un niveau donc excessivement dur dans les airs avec des fausses fins de... Plein de fausses fins. Voilà, et donc c'est hyper chaud. Alors ça, cette sortie là, elle était horrible à prendre. Si vous essayez par le haut, vous étiez foutu. Là, il a fait un saut magnifique. Et puis bah évidemment, lui, il saute comme ça. Et puis bon, pour découvrir la véritable fin, il faut évidemment qu'il trouve celle où il y a le M qui se balade. Ouais. Et vous voyez hein, là le saut qu'il a fait là entre la plateforme et les trucs comme ça, c'est horriblement chaud. C'est juste, franchement, je sais pas comment il a fait. Vraiment dans le vide. C'est ça. Je sais pas comment il a fait. Et là en plus, c'est le pire, c'est que dans ce niveau là, il n'y a pas de carte secrète parce que les cartes secrètes en fait elles vous permettent, si vous les avez toutes, d'aller à ce niveau. Mais en fait, comme il doit finir le jeu à 100%, il est obligé de finir ces niveaux là. Alors là, il a. Ces cartes là, c'est des cartes qu'il a déjà pris en enfant en deux. Mais... C'est ça, c'est des cartes secrètes en fait qui se trouvent dans tous les autres niveaux du jeu. Ah, okay. Et donc là on le voit, il est tombé dans le vide et il est mort et ouais. Il est pas mort. Non, normal. Voilà. Et donc ça par contre, je sais pas si t'as vu, mais c'est le niveau de... C'était ce qu'on voyait déjà au premier niveau là, l'espèce de fin comme ça. Ouais, ouais. Et donc là, 65 arches, hein, il a réussi à... Parce qu'en fait quand on s'est touché, je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais il était à 74, un truc comme ça je crois. Et il s'est fait toucher par un ennemi, il est redescendu à un certain nombre d'arches.
C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites toucher, c'est un peu comme dans Sonic, vous perdez des arches. Donc, une espèce de M McDonald's, là, vous en perdez. Et donc, c'est comme ça qu'il a réussi à manipuler, en fait, aussi le fait de l'apparition du stage. C'est-à-dire qu'en perdant une, en se faisant toucher, il a reperdu des arches, et du coup, ça lui a permis de, bah, bien évidemment. D'en choper d'autres pour être sûr de pas faire la bonne. D'en choper d'autres, exactement. Alors, je crois que ça s'appelait le Puzzle Ride, un truc comme ça. Enfin bon. Ok. Il a tout terminé au complet. Voilà, donc là il a tout terminé au complet, il va aller finir le jeu, donc il va aller au boss de fin. Tout simplement qu'il doit se finir, je crois, en 4 phases, un truc comme ça. Et vous allez le voir, on se bat contre plusieurs ennemis assez bizarres. Bah en fait c'est une espèce de sac, je sais pas trop. Hein. Ouais, c'est un sac, c'est ça, c'est le sac magique. Hein, tout simplement, et donc là il doit prendre des espèces de je sais pas trop, de pierre volcanique, et donc là il affronte des espèces de serpents, hein, je sais pas trop ce que c'est. On dirait des vers. Des vers, mais ils sont un peu trop blancs pour moi les vers, hein. Excuse-moi mais... Alors là il va en rechoper un parce qu'il doit taper directement à l'ennemi qui ressort direct là, ça lui fait gagner un petit temps, parce qu'il y a que... Il peut frapper à travers. Hein. Ouais, il y a que cet ennemi là qui peut toucher directement, et ça ce boss là, cette partie là elle est hyper chaude parce que... En gros, il fallait constamment... Les projectiles sont vraiment rapides. Ça, il fallait vraiment se trouver en dessous pour pas se prendre de dégâts, quoi. Donc là, on affronte le lapin de Garen, hein. Normal, et ensuite on affrontera le sac. Et donc là, il a récupéré un point de vie, tout simplement. En frappant le dernier ennemi, il a gagné un point de vie. Donc là, on est content, on a récupéré le sac magique qui avait été volé par le Big Mac. Et le Big Mac est trop content, hein. Parce qu'on maintenant, voilà, movie playback stop. Donc là, la vidéo s'est arrêtée, donc... Ça veut dire qu'il n'y a plus d'input. Voilà, il n'y a plus d'input, donc par conséquent, la vidéo est terminée. Et donc là, on va le voir, il y a des ennemis qu'on n'a jamais vus, genre l'espèce de bonhomme de neige, là. Non, jamais. Mais ils sont hyper chauds à prévoir leur déplacement. Enfin, je crois qu'on les a croisés, mais genre en mode ultra rapidement. Mais les déplacements sont... Ta maman. Ouais. Les déplacements étaient hyper aléatoires et c'est archi chaud. Ceux-là, c'était trop chiant parce qu'ils te balançaient des boules de neige dans la gueule. Ceux-là, on les avait en masse. Ouais, non, mais les castors, ceux-là, on les a vus tout le temps, les castors. Tout le temps. Et la fleur qu'on a vue qu'au début du qu'au tout premier niveau. Hein, Ouais, que je me rappelle pas. Parce qu'on a déjà fait on a déjà visionné la run quasiment à ouais, plan. Ouais, Jade était super technique. Voilà. Ça n'avait pas fonctionné. Ma super technique n'avait pas fonctionné de prendre l'audio via un logiciel qui s'appelle Camtasia Studio 7, hein, qui normalement je m'en sers pour enregistrer mes vidéos de freeplay. Hein, mais bon, ça permet aussi en 17x17 pixels de ne prendre que le son. Hein. C'est pratique. Ça montre à quel point on est dédié, hein, de faire la même run deux fois. Ah oui, non mais on est des fous, on est des fous. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et donc, from all of us at Virgin Games, thank you for playing. Donc c'est, voilà, Virgin est content que vous ayez fini ce jeu, parce que les jeux Virgin en général étaient assez durs, hein, dans leur grande majorité, et c'est vrai que... Il y en a un que je me rappelle, est-ce que je me trompe en disant que c'est Virgin qui a en fait le Roi Lion? Oui, c'est Virgin qui a fait le Roi Lion. Il me semble bien que c'est Virgin qui a fait le Roi Lion. Ouais, ça aussi c'était dur. Je peux vérifier, je vais vérifier ça, écoute. Hein. Mais oui, je crois que c'était eux, et c'était un jeu bien bien dur également. Alors, par contre, je sais pas si Aladdin aussi, du coup, par conséquent, c'était eux, peut-être. Il me semble qu'Aladdin, c'est Capcom. Capcom, ouais. Parce qu'il y a eu deux versions hein, différentes hein, ouais, du jeu, il y a eu la version... Mais celle pour Super Nintendo, me semble c'est Capcom. Donc, le Roi Lion sur... Mega Drive, il me semble. Bah moi j'y avais juste sur Nintendo. Alors c'était une mode de mettre les deux jeux sur les deux systèmes à l'époque. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Hein. Pas bizarre. Hein. Alors. Mais comme Aladdin par exemple c'était deux jeux différents. Par contre oui Aladdin c'était deux jeux différents alors que je crois que le Roi Lion c'était qu'un seul jeu même sur les deux plateformes il me semble bien. Ouais. Alors Avalon Interactive, c'est presque ça. C'est Interactive, mais c'est pas Virgin, c'est Avalon Interactive. Qui a... Sérieux ? Oui. J'avais ma mauvaise image dans la tête parce que. Et les développeurs sont Westwood Studio. Alors peut-être que c'est la version Mega Drive, hein, mais peut-être que la version SNES, c'est peut-être pas ça. Hein. Mais il me semble bien, enfin en tout cas, apparemment. De ce que dit en tout cas jeuxvideo.com, hein, je pense qu'on peut leur faire confiance quand même. On devrait. Ah, j'ai la cassette de... Ouais, Virgin en fait, la version Super Nintendo. Et c'est Virgin alors? Ouais. C'est Virgin Interactive, d'accord. J'étais pas dans le champ. Ah, en effet, Mega Drive, je sais pas, mais en effet, pour la Super Nintendo, en effet, c'est Virgin Interactive.
Parfaitement. Alors, bah pour la Mega Drive, c'est Wallon Interactif, c'est ce que j'ai dit, je crois, je sais plus. Wallon Interactif. Enfin bref, c'est une autre, c'est une autre boîte. Je pense qu'elles sont, voilà, un peu similaires, hein, mais voilà. Oui, c'était ça, je crois. Avalon Interactive, voilà, je crois, il me semble. Enfin bon, du coup, nous... Parce qu'on est parti loin du McKin. Exactement, on est parti loin de McDonald's. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura donné faim, hein, que vous allez vous diriger que vous allez vous diriger vers tazvideo.com et non pas vers le McDonald's le plus proche. Je vous ai bien eu là, hein. Et j'espère qu'en tout cas, vous vous abonnerez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Que vous viendrez également sur Square Palace visiter un peu le site, hein, puisque c'est un site qui est très bien fourni pour tout ce qui est les jeux concernant Square Enix et pour certains tests. Notamment. Rumeur, on va bientôt changer de look. Voilà, rumeur, on ne sait pas encore quand, mais on va bientôt changer de background, comme dirait certaines personnes, hein, qui sont adeptes de faire des sites. Enfin bon. Du coup, on vous laisse là, nous, parce que ça fait quand même 3 minutes de hors-sujet. Hein. Non, mais... Et à plus, tout le monde. Allez, ciao, ciao. Au revoir.